vrai pour me mettre ma genou devant un jeune garçon pour un bagage que moi pas de faire. OK. Bon, deuxième question. Donc, moi-même je n'ai jamais reçu de coups physiquement, bien que j'ai été agressée. J'ai été agressée petite, violée petite, et j'ai été agressée plus grande. Moi gommé la caille nèg là pour pas boum, et justement pour épisode ça, moi pas j'aime pas les paroles là, viens pas les paroles là après parce que moi honte. Ou moun pa di m sa ou tap fè la kaitin. Est-ce qu'on va vle parler de ça? Et oui, je vais y venir. Est-ce qu'on connaît que pratique ça, pratique culpabiliser fille? Par exemple, elle agresser physiquement et tout, ça elle est la culture du viol. OK. La culture du viol, c'est toute réflexion que yo fait sous acte qui cautionne acte. OK. Qui encourage et qui blâme victime là. Donc qui s'acte sous ou qui sont à faire avec ce nèg là, c'est toi qui l'a cherché. OK. Donc et je n'ai pas parlé de ça pour deux raisons, parce que la personne est une personne connue. OK. Et deuxièmement, moi estimer que Catman, quand j'ai moi mitigé psychologiquement, moi mitigé, mais finalement quand j'ai fini par en parler, moi parler le sous loup, et je n'ai pas dit le nom, et c'est la première fois que je vais dire son nom dans une émission. Parce que aujourd'hui je me suis dit que why not. OK. Et en fait, ça c'était vraiment quelque chose qui pendant des années, pendant un bon petit temps, qui était vraiment mitigé, parce que Moi, il est junior rigolo. Et puis il me dit, moi j'ai besoin au libre pour lui mener mon côté. Et puis en fait, j'étais en ville, lui il est à Delma. Et puis il me dit, seul moyen pour mener mon côté pour là, c'est pour mener la caille, c'est pour venir la caille moi avant. Il me dit, bon, si tu veux me montrer où tu habites, je n'ai pas de problème, mais pas vraiment envie à la caille ou non, je ne sais pas encore, non. Bah ça, donc j'ai hésité, puis après ça, j'avais tellement la flemme d'appeler une moto. Il me dit, ah venez, non. Okay. On fera un tour chez toi. Je suis arrivée chez lui, il n'y avait pas d'électricité, la maison était noire. Et puis il me dit, j'insiste pour les lumières. Pour les lumières, bah, ça y est. Et puis il rentre dans la chambre et il allume la télévision. Il n'y avait que la lumière de la télé qui allume. Et puis j'étais gênée. Mais tu sais, j'étais gênée deux fois. J'étais gênée parce que c'est une personne que je respecte. Tu vois, à l'époque, je venais tout juste de passer à son émission. C'est quelqu'un que je respecte, quoi. Enfin, je trouve qu'il fait un travail intéressant. Alors, je trouvais qu'il faisait un travail intéressant jusque-là. Et puis, pour moi-même, c'est quelqu'un avec qui je lis amitié. Mais il y a quelque chose, dès le moment où j'arrive, quelque chose qui m'a mis mal à l'aise. Quoi? Par le fait qu'il ne voulait pas, allumer les lumières de la maison. OK. OK? Puis j'ai insisté. Et puis finalement, comme c'est dans sa chambre qu'il y avait la lumière de la télé, je suis assise et sur une chaise. Je n'ai pas voulu m'asseoir sur le lit. Bien sûr. Il y avait deux choses dans l'expérience qui m'aident dans l'expérience. C'est que, premièrement, je ne voulais pas paniquer. Orgueil, c'est mon orgueil de Gaël, oui, qui ne voulait pas paniquer, péter, courir, sauter, prendre la rue. Je me suis dit, il ne peut pas me faire mal. Exactement. Il ne va pas. Tu vois, je suis en train de raisonner à sa place, de me dire, mais il ne va pas me faire mal. Exactement. Et puis, il m'a dit qu'il voulait m'embrasser et tout. Il a insisté. Mais vraiment, c'était vraiment une lutte. Je dis, non, je ne vais pas t'embrasser. Je n'ai pas envie de t'embrasser. Et puis, il était là de quelque chose où il argumentait, oui. Mais c'est comme, en fait, il disait, genre, que la plupart du temps, mesdames, il a fait caprice. Il a voulu bagalant. Et puis, il a dit non. Il me dit, OK, moi, je n'ai pas fait caprice. À l'aise. C'est exactement le genre de filon on est intéressé. Moi, je fais la veine. Non, nous, ouais, ça. Nous, quelque chose qui dit. Ouais, ça me dit, non, oui. je ne veux pas t'embrasser, je ne veux pas. Et puis tu insistes, ça m'a. Donc, ça m'a énervé. Tu insistes alors que je te dis non. OK, donc, moi, goumé, ce soit ça. Et puis, en même, j'étais déçue de lui. J'avais honte de moi. Je me suis dit, est-ce que je me suis trompée sur la personne? Je me suis dit, est-ce que j'aurais dû venir chez lui? Parce que je n'imaginais pas que je me serais sentie en danger chez lui. Oui, parce que son personnage était public.
tout le monde. Oui, mais en même temps, mm-hmm. en même temps, dans le cerveau, monsieur, quand son bon bagage l'a fait, parce qu'après, il m'a écrit, bon, on ne sait jamais où parler après. Mm-hmm. Il m'a écrit la même soirée ou bien le lendemain pour me dire que voilà, il est désolé s'il t'a fait, s'il t'a bagaille moins. Généralement, il a fait caprice, ou bien vle, ou pas. Je dis non. Mm-hmm. Je l'ai un peu insulté pour me dire que je trouvais vraiment. Je trouve que le coco rate ça fait, il n'est pas gentleman. Exactement. Un gentleman ne fait pas ça. Bah, ça. Donc, après, non, c'est non. Mais cet épisode-là, c'est vrai, cet épisode-là de ma vie, tu vois, cette agression, il est extrêmement important parce que c'est quelqu'un qui est connu, mm-hmm. c'est quelqu'un qui a de la notoriété, mm-hmm. c'est quelqu'un, en fait, comme tu as dit ça là, mm-hmm. j'étais chez lui, ça veut dire que. Il y a vraiment plusieurs raisons qui fait que m'pas parler de ça tout de suite. J'étais déçu de lui et j'avais honte pour moi. Okay. Mais gros jour me dit Gaël, ça n'a pas de sens. Parce que ou pas faut... exactement. Ou pas participer dans ça ou qu'a toujours qu'à un monde, c'est oui, d'ailleurs oui, c'est. Oui, 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 moi dis ça. D'autant plus que c'est pas quelqu'un avec qui tu parles, je mm-hmm. pense que tu peux sortir de son silence. Et madame, j'aime parler avec like zami ta encore parce que ça m'a vraiment mm-hmm. bouleversé. Okay. Et je ne pense pas qu'il sait à quel point ça m'a bouleversé. Donc okay. là, ce que je te dis là, c'est 2014. Ok. C'est 2014, donc on est quoi? On est combien de temps après là? On est 6 ans, 2020. On est 6 ans après. Okay. Donc je suis capable de dire son nom dans un podcast d'un jeune que j'aime beaucoup, 6 ans après. Hey. But, et monsieur pas de jambes conscient, et monsieur pas capable conscient, et ça t'est bouleversé que. Moi non sentiment d'agression de rentrer dans 5m50 mais de rentrer dans périmètre moi gros sentiment de culpabilité que me pas supposé dans espace là mm-hmm. alors que je ne dois pas me sentir coupable. Je peux être avec quelqu'un sans que la personne m'agresse. Je pas supposé dire que ça me t'a fait là. J'étais avec un ami moi des pour le bombe. Moi dis moi pas bol, mais je suis supposé respecter ça. Et lui, il était dans un truc côté que il mettait non l'eau et comme là toute fille en vie au forcé, toute fille résignée, parce qu'en fait le nèg là a parlé de caprice, en fait fille a résigné, il fait la règle avant, il pas de vouloir ça. OK. Donc il ne comprend pas que en pile fois il y a des filles probablement il fait caprice, hein. Je ne dis pas que ça pas arrive de faire caprice, mais que le fille tout qui juste résigne il fait là avec vous. Et ça, et même le viol, en fait c'est pas que la pénétration, c'est pas le coït la mm-hmm. pénétration. Le viol c'est aussi ça, c'est forcer au monde beau par exemple, mm-hmm. c'est mettre douette dans sexe li, c'est ou qu'a fait cunilingus pour au monde et pour violer li, pas vle pour mettre bouche li, bouchon a fait li. Okay. Donc il était dans cette dynamique de pas comprendre comment ça fonctionnait, parce que en tant que garçon, il y a pas apprendre ni tant de consentement. Okay. Il y a pas apprendre ni tant de consentement. Et quand pile garçon qui a plaidé avec moi pour dire que oui Gaël, c'est n'a tant mesdames yo. Dis oui, moi je me fais rien. Et mais bon expliquer nous si monsieur. Mm-hmm. Ouais fiant s'il est en vie ou vraiment. Ouais, ou même moi tout garçon qui passe sous monde, tout garçon qui bon espace pour me dire oui ou bien non, nèg ça moi renmé yo, toujours marcher sous yo, toujours arriver sous yo au final. Mm-hmm. Ça veut dire si nèg l'en fait me décès de avance et puis moi pas très intéressé li senti ça, nèg l'en poser ça m'excite à mort. Ça veut dire nèg l'en qui c'est vrai nèg l'en bon choix pour me arriver sous les guys, tenez bien ça me dit ça vous rend sexy quand mm-hmm. vous n'insistez pas bye fi avag. Et puis on regarde, moi c'est qu'à pas comprendre comment pour arriver sur ou le dieu. Oh, mais ça tu n'as rien dit. Et pour après une chérie, tu m'avais dit non. Non, c'est non. Ça fait du si tu veux, demain. Tu me dis oui. Et je suis désolée monsieur, faut que nous participions dans ça, faut que nous participions dans la campagne de consentement. Okay. Parce que c'est même éducation ça, justement, je parlais de l'éducation au premier moment de l'émission. C'est parce que Emerson yo apprend nous-mêmes femmes pour ne pas exprimer sentiment nous. Mm-hmm. Si nous voulons bagaille la fois nous dit nèg 12 non, avant nous dire yo oui. Exactement, parce que on songe gonzan même et m'a dit non gonzan mes film qui t'a plein ban moi que le rime avec un nèg OK, et chaque fois on parle fond bagaille comme si la dit nèg non et puis nèg a juste campé. Il dit que ça dérange elle parce que si c'était ex li pendant dit ex li à non, ex li t'a chaviré. Il dit c'est ça le besoin.
OK, so on pas connait est-ce que comme si c'est pas comme se dit tout à l'heure, parce que c'est un problème d'éducation. Moi penser faut couper faut bon parler qui clair qui fait dans mitan couple yo, parce que de yon moun à l'autre notion consentement, notion oui à non, il flou ou bien il très net, il très clair. Moi mon homme, moi mon amoureux, balzou jusqu'au côté monsieur aller. Monsieur c'est le genre de nèg, si n'a fait l'amour là, monsieur senti pas à l'aise ou bien monsieur senti peut-être moins ailleurs, monsieur campé Emerson. OK. Monsieur retire quoi dit monsieur ou pas là non ça gagne. Regardez n'importe qui aille, n'importe qui oui, n'importe qui mine moins fait les retire quoi. À l'aise. Pas question pour faire l'amour avec une femme qui pas confortable. Bien sûr. Bien sûr. Donc moi dans couple moi développer un rapport côté que l'amour a fait le nous à l'aise, l'amour a fait le nous bien, l'amour a fait le pas connait. En tout cas, pas gain à faire de oui non. Je pense qu'aussi pour cette pour l'exemple que tu viens de donner, c'est des fantasmes en fait, c'est des fantasmes. Exactement. Dans exactement. Dans bonne destinée, de bagarre érotique et que vend nous on l'amour, yo vend nous on l'amour agressif côté qu'il excité nous les nèg là agresser nous. OK. Si l'agression, attends, si cette agression là est cadrée dans un jeu amoureux, si on est conscient que on fait un jeu amoureux, à savoir que on fait la caprice et lui il fait celui qui sait très bien, si en fait si c'est un code que nous connaissons bien, que nous avons joué avec, on appelle ça un jeu amoureux, ça va. Bien sûr. Ça va, tu peux être à l'aise de dire non, et il sait que c'est pas non que tu as dit, parce qu'en ce moment-là, sans il caprice. Connaît très bien ce qui se passe. Voilà. Mais en fait, si on sort dans un jeu amoureux, ça, qu'il essaye de non finir à bas ou nègre l'absence, tout pas bien, chérie ou en forme. Exactement. Tu vois? Exactement, oui. Donc si, mesdames, vous conscient de causer consentement, parce que. Livre les nègres à chavirer quand même s'il dit non. Parce que l'on vit nègres à the end of the day. Mais vous nègres, que le pape vit, que l'ab dit non, qu'ab chavirer, nègres là c'est violer. Exactement, c'est ça. Ok. So, mais d'avoir mis des limites là. Ok. So, m'damme que pour nous conclure, deux bagailles. N'amme ou qui réaction, m'damme ou dit qui réaction, premièrement, qui réaction, on m'a dit faire violence sur l'état supposé gagner. En fait, qui conseille, en fin avec juste ça, qui conseille à bas au monde et fille et garçon, ok? Qui conseille à bas aussi au monde fait violence ou how are you supposed to react? Parce que au moment où un peu monde parler et puis rien, ça juste pas marché. Moi penser que faut mon yo parler à déjà socialement, par exemple. Il y a des faut qu'on dénonce, faut citer nos mounio, mounio gêné, parce que faut que la honte est à paix, déplacée. Faut que la honte change de camp. Faut que monsieur connaît que, faut que monsieur dame connaît que, il y a des bagailles où fait, li pas fait sens, li mérite puni. Et on dit que ou pas arriver juste devant la justice, mais socialement faut condamner moun. Okay. Quand je dis que socialement faut condamner moun, faut que mettez moun devant le fait accompli, mettez l'autre moun devant le fait, dit mais ça qui rivé. Et puis socialement il y a quelque chose qui va se passer. Ça veut dire que je pense que gon quantité nèg qui pas t'aimer d'essayer de fille dénoncer yo. Et donc c'est là que le mouvement MeToo balance ton port a trouvé tout son poids, c'est que monsieur Ovin trouvé du jour au lendemain mesdames y a sorti dans silencieux. Et franchement Emerson, en Haïti je dis hein, si mesdames y prend sorti dans silencieux, grand pile n'est cap gêné. Donc le conseil c'est parler. OK. Parler dit nèg là, m'bra le faire moun pour oui, m'bra le parler parole là oui. Ouais, ça fait m'n'a parler, parce qu'en fait ça crive tout les nèg là agresseur par exemple. Les ou pas parler, sou parler la tuyo. Et le moun nan nos sphère de pouvoir par exemple, n'a regardé accusation qui fait sous monsieur Jean-Bord par rapport avec juriste d'arrange quoi des bouquets. On regardé déjà le article en sorti, monsieur un paquet d'émissions radio qui recevoir la blague à journaliste. En fait, on barre comme ça, l'état supposé courir prendre lui, mais non enquête, joindre la victime, aller dans source de Guardian, journal britannique qui sortit article là, aller dans source, aller mener enquête et puis mettez monsieur
disponible pour répondre à la question de la bien justice sûr, et puis mettez victime nos espèces de sécurité pour être capable de parler si victime il y en a, si justice il y aura. Exactement. Que nous fait justice. Exactement. Mais le nègre, il n'a acquaintance avec toute autorité. Les amis et tel. Ça, faire pouvoir, acquaintance nègre qui vient pouvoir, fait que grand pile crime qui fait, grand pile bray qui fait dans violence, qui fait que moun yo tout pas parler côté petit malheureux là, les petits footballeurs là, je côté le bral parler pour l'accuser qui laisse pour qui ça. Et non seulement ça, au cas où que et après violence là, et président fait le jeune gros contrat à l'étranger et tout, sauf parce que on a acheté silence sur tout. Gon bay, gon bouy vide, gon acquaintance gain. Et ça, je pense que nous ne pouvons pas faire société. Nous ne pouvons pas faire société si nous acceptons ce type de bagaille. Ok. Donc, so, conseil quoi, bah, jeune, aussi, si allez. Ils sont dans une situation comme ça, parler. Parler. Right. Même si on dit que pas de justice, parler. Ok. Parler. Parce qu'un peu le monde dit, il ne vaut la peine. Un peu le monde dit, ah, si on parle, pas parler. En plus, le monde qu'on dit, il n'y a pas vaut la peine, si je parle, il n'y a pas faim, il y a un tel qui te parle, Mais socialement, il y a deux bagailles. Quand j'ai parlé de mon viol sur Loup Haïti, il y avait énormément de jeunes filles qui m'ont écrit pour me dire que j'ai libéré leur parole à elles. Ok, good. Je pense que la parole d'une femme libère la parole de toutes les femmes. La parole d'un homme libère la parole de tous les hommes, parce qu'il y a beaucoup d'hommes aussi qui se sont fait agresser. Ça, c'est un autre sujet. On a parlé de ça l'autre jour. Qui se sont fait agresser. Grand monde ou bien que Timoun, en fait. Beaucoup de petits jeunes garçons qui vivent pédophilie. Et il est d'autant plus difficile pour petits garçons. Surtout, c'est sur l'autre garçon qui couche. Il est d'autant plus difficile pour lui parler parce qu'il y a une double violence. Ok. Il y a une violence société en fait par rapport au fait que son garçon qui couche le top, il blâme déjà, il condamne le massacre ou whatever. Les violences sur le monde, sur son humanité, sur ce que la personne est comme telle. Ça, c'est extrêmement grave. C'est de ces deux petits messieurs qui ont une profonde solitude et qui n'ont pas foutu parler de bagages. Et ni dénoncer le monde qui fait là parce qu'il y a un sentiment danger. Ok. En tout cas, je pense que nous vraiment dit assez. Parce que si on t'y parle, je pense que je vraiment gagné plusieurs fois sur le podcast. Là. Et je voulais remercier parce que vous êtes disponible et disposé pour participer au podcast. Je pense qu'il y a un peu de monde qui a un podcast spécial. En tout cas, je vais vous dire que vous êtes disponible. Et bienvenue sur le podcast, on t'y parle. Et qui est-ce que vous êtes en forme? Moi bien, merci. On est vous-même. Moi bien, ok. So, je pense que. Je dis à Nabgen pour nous faire un petit parler sous pour qui ça, mon yo fait vie, silence dans la violence. Bah, on se comprend, parce que nous connaissons que grand pile violence qui a fait dans la société, en pile violence, qui vient dans soufis, sous mineurs, etc. Mais, après que le on bagaille qu'on s'est passé, mon yo fait silence, ok? So, je pense que, je dis à nous pour faire un petit parler de pour qui ça, femme yo surtout, fait silence dans la violence. Qui s'en pense? Je pense que, bah, merci pour la question. Parce que trois cas monde dans la société a fait silence sous des séries de violence, relativement tout qui type de violence, des séries de violence économique, des secteurs sous un lot, pour une raison ou pour un lot, des silences. Mais en fait, silence sous violence, sous femme, parce qu'on ne peut pas spécifier. On peut vraiment généraliser la violence aussi, elle sera faite sous femme, sous petite fille, sous petit garçon. C'est un silence qui fait parce que la société est construite de manière à ce que les fait victime d'un gêné. Et avant, on dit que il y a différents types de violences. Il y a une violence physique, il y a une violence psychologique, il y a une violence économique. Et qu'une violence sexuelle. Ok. Je pense qu'il y a plus encore, si on a détaillé, mais violence psychologique, là, par exemple, c'est l'on maman, par exemple, l'on maman, il y a battu, il n'y a pas qu'à déplacer parce que Negla fait pression, il va battre petit, là, par exemple, après, il y a Timoun, là, par exemple. Okay. Donc, son violence psychologique qui fait sous lui, là, que Negla isolé de toutes les amies, de monde qui proche lui, en façon pour capable bien maltraiter. Okay. Violence économique là tout, c'est là qu'une fille a obligé
ou pas qu'avec néglant pour plusieurs raisons et néglant par prend responsabilité le néglant gain même mise sous l'argent li ça c'est violence économique par exemple violence verbale le moun n'a pas des bagages qui sale des bagages qui l'aide le moun n'a pas humilié ou le moun n'a pas tout n'importe qui bagaille et puis une violence physique qui c'est court mais en fait plus gros violence là c'est violence psychologique c'est le moun là le moun mettons en condition psychologiquement les rabaisser ou psychologiquement les forcer sur pas moun psychologiquement les isoler ou les préparer mental ou pour prendre deux calottes. Ok, donc si bien comprendre plutôt un moun frappe plutôt un moun fait violence physique sur que font violence et psychologique sur non pas dit plutôt ça n'a pas dit c'est que gon corrélation vraiment très très étroite en violence psychologique là avec violence physique là dans sens que de toute façon nèg qui frappe pour première fois li font violence physique sou première fois bral gon ensemble de violence psychologique pour ka frappe yon deuxième fois qui ça qui vient avant tu vois ce que je veux dire qui ça qui vient avant est-ce que c'est violence physique là qui vient avant ou bien est-ce que c'est violence psychologique là qui vient avant non laisse-moi te dire une corrélation on va pas dire que ça vient avant justement c'est ce que je suis en train de t'expliquer je te dis que violence des fois mon fait un ensemble de violence psychologique sous après ça les frapper ou les qu'on font violence les qu'on fait violence physique là sous avant avec les frapper ou avant et puis entre temps la fait dépression psychologique sous pour pas parler pour pas aller pour pas quitter souvent mesdames qui vivent violence dans couple capable témoigner de ça gagne attitude que mon gagne leur fin frapper ou dans sens que après l'offrir ou l'eau avec diamant, les chouchouter ou si les doué parce que le Raymond qui fait les frappes ou l'en pas qu'à vivre sans ou et que il perd du contrôle li, bla 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 ça c'est violence psychologique entre temps monsieur make sure qu'on pas parler ça à ses amis ou pas quitter ses amis qu'on a fait nous comme si li isolé fien li fouer fien en solitude. OK, donc c'est une qui vient qui entraîne l'autre. Parce que moi-même, je suis content de gagner deux femmes qui ont dit tout le temps qu'elles n'ont pas frappé, pas battu deux, trois symboles, parce qu'elles sont à l'aise. Ok, ça aussi, ça peut s'expliquer par rapport au fait que dans l'éducation, nous-mêmes, femmes, dans le rapport, dans ce que nous construisons dans la tête, dans le rapport amoureux, c'est un rapport qui suppose drama. Et yo pas apprendre nous c'est vrai yo pas apprendre nous que nèg là et ça l'a regardé par exemple l'a regardé dans roman enfin pas comme si on lit roman lequin comme si faut faire passer un petit misère faut bon petit bail faut que nèg là agressif faut nèg là qui délicre croiser dans corridor à nèg là boule alors que si on est croisé ni bété bouche les sous bouche mais comme ça on pas comme si me voulait boire tu vois c'est vraiment rentrer dans 5m50 mais sans autorisation mais gagnon gens yo vend nous l'amour comme si pour l'amour faut l'amour passionné et qui dit passion qui dit violence fait colère craser téléphone jalousie donc yo vend nous yo gens pour mon aimer donc ça c'est des filles qui sentent y a vivre qui sentent nous l'amour leur et néglan super agressif elle possessif ça c'est des filles qui pas prêt à avec un ex néglan pas manifester jalousie ça c'est terrible. Donc si bien comprendre bagage c'est pas normal. On ne va pas dire on peut pas parler de normal. Ça n'a pas analyser des séries de normes déjà. Parce que ça il rentre dans une forme de normalité, la banaliser. N'a dit que dans éducation nous même fait parce qu'on dit que li pas normal, c'est juste trop simpliste comme analyse. Bien sûr qu'au fond là, une analyse là pour li pas ca une norme en fait. Exactement. Ça ne peut pas être la norme. Tu vois. Donc l'on a regardé des gens éduqués nous pour nous capable gagner en relation problématique avec garçon, ça veut dire faut gagner agressivité, faut nèglan non passion, faut la faire jalousie, faut la faire gagner des filles qui sentent l'amour. En fait, nous sentir l'amour manifesté avec en pile agression autant que fille pour qu'à manifester nèglan l'amour dans éducation justement, faut le faire si manger pour lui, faut le prendre soin, faut le take care lui, faut ceci cela, c'est comme ça montrer fille manifester l'amour et montrer garçon pour manifester l'amour matériellement tout. Ça veut dire que nèglan c'est capable de tirer l'argent dans poche. Et tout. Donc, il faut vraiment prendre ce problème dans son contexte social,
et éducation tout pour nous capable dire mais qui ça au bon nous mais qui ça au bon nous comme l'amour. OK. Mais moi-même moi estime que y a un monde qui remet on les remet on quoi, il pas faut que qui remet on pas qu'à ou à crier. OK. Faut que qui remet on senti pas bien, s'il fait un bagaille et bagaille la dérange. Faut pas son vieille journée, faut nèg lan pas dans pôle s'il faut un bagaille mal. Donc je ne peux pas comprendre à aller jusqu'à frapper. Et aller jusqu'à faire certaines violences, c'est aussi dans cette éducation qui dit à l'homme qu'il est l'autorité, en fait. Mm-hmm. OK, donc, pour nous tourner en question, hein, après que acte violence l'a fin fait, pour qui ça, nous n'avons pas qu'à parler? Est-ce que ces sociétés, je vais plus ou moins comprendre, plus envie de comprendre pour qui ça? Parce que je comprends qu'on a une violence pas normal, ok? Je vous dis tout à l'heure, si vous mettez une fille, en fait, on est qui met une fille dans une mauvaise position, quand vous avez crié et tout, tu as supposé sentir mal à l'aise. Mais qui ça qui fait que après, fille n'a pas qu'à aller dans la radio pour dire ça un tel femme, surtout si vous êtes qui vous placez dans la société? Là. Ok. Situation extrêmement complexe. Mm-hmm. Il y a plusieurs aspects qui fait que on fille, par exemple, on dit que la mari la battu, le la porter plainte et souvent il pas aller dans commissariat, il pas aller dans organisation femme. Mm-hmm. C'est juste les besoins qu'on est qui ça pour le faire pour séparer à néglant pour quand il on lit pour lui capable de tranquillité ou bien la chance solution, mais au fond fille a pas envie ou arrêter néglant. Parce que faut nous garder aspect sentimental, aspect que moun nan c'est moun nan té nan ville et puis fin extrêmement gêné. Une femme battue est généralement gênée de dire que nèg ki nan ville la maltraité, elle bon gêne. OK. On honte, li honte, mesdames yo honte parler. Et tout mesdames yo a monté nan échelle sociale là. Tout mari yo c'est grand ceci cela, yo honte. C'est pas de bail qui parle, c'est que par exemple au niveau de la classe populaire, yo on ne cap bat madame li bala rele wele li am re mon kapé soubiran tout wè manzek al pote plein bay sa yo la justice li débouche nan bagay lan, mais tout wap monte pi ou nan échelle lan société en configuré finyan de manière à ce que li prend bal li au fond plus parce que li gêné. Okay. C'est dans l'intimité parce que on prend deux femmes. Okay. Une bouge qui habite à Montagne Noire et puis on l'autre petite femme qui habitait en jalousie. OK. On dit en temps réel, même moment dame bourgeoise la prend coup, petit fille après l'autre dame la prend corridor, après en bâton dans corridor en jalousie. Tout le monde tendel nèg la patli dans jalousie. On campé sous deux rangs, il y a monde qui a retiré fille en balle. Bah la personne. En fait, alors que celle qui se fait battre chez elle est vraiment dans l'intimité d'une grande maison luxueuse. Donc il y a plus moyen pour le cacher violence ça. Il y a plus possibilité pour le cacher. Et contrairement avec dame qui dans quartier populaire là, dame ça, il y a moyen financièrement pour quitter nègre. Mais il est pas capable parce que société a regardé ça mal, comme on fait le vœu qui ton nègre qui a moyen en mêle comme ça. Ma chère, qu'est-ce que tu as fait à François pour qu'il te frappe, ma chère? Tu vas partir et laisser ton homme comme ça. Tu as une belle situation. Moi, j'ai une dame qui a laissé son mari, monsieur a vraiment une très, 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 très belle situation économique. Et il joue des commentaires de femmes dans le même milieu social avec elle, qui a critiqué elle parce qu'elle quitte le néglant. Elle dit, mais tu as construit tout ce patrimoine matériel avec le monsieur, bah, comme s'il faut que rien. Et moi, j'ai quitté le néglant, il n'a pas réclamé rien dans mes néglants. Il n'a pas réclamé Kyle, il n'a pas réclamé rien. Juste pour valise-lui, à rade qui souli, elle a le visage ensanglanté. Elle est partie ce jour-là, elle a laissé les enfants avec le monsieur. Donc, gen aspect social, gen aspect économique, gen aspect gen que société en tout le mariage avec nègre, yo toujours ap chercher résoudre tout problème mariage là, y compris violence là tout, alors que violence pas toujours qu'à résoudre dans le milieu religieux côté que fille supposé soumettre à mari, yo pas grand en pile fois pas envisager que mari est extrêmement violent et qu'il n'y a pas de foyer possible dans une telle violence. Et il y a autre chose aussi, c'est que nous avons une société qui a fait pression sur les garçons pour les garçons tout le temps. Et les garçons tout le temps, on dit qu'il faut qu'ils soient capables
subvenu à besoin famille. Et nous avons une société qui est extrêmement pauvre, nous avons une société côté que grand pile moun y a exploité, grand pile moun k'ap touché ti kalkob qui pa ka vivre au jour, k'ap vivre au jour le jour, et c'est toute frustration ça au par exemple qui gagne sous deux garçons en dit sous deux garçons dans milieu populaire là, qui fait que le la pété les plombs, ce n'est pas juste garçon k'ap pété les plombs, mais c'est juste un citoyen k'ap mal vivre, k'ap passer rage li sou madame. Donc il y a ces deux aspects qui est extrêmement important qui fait que faut garder complexité, parce que qui ça pour nous régler, qui ça pour nous résoudre tout bagarre en même temps supposé résoudre. Garder condition économique moun yo, parce que en pile fois fille pas qu'à quitter nègre dans quartier populaire, par exemple dame jalousie n'est pas qu'à quitter li parce que c'est nègre là qui porter deux gouttes dans caillan. Ça c'est toujours en fait la plupart du temps le fille juste pas dit rien, le fille prend balle au fond, c'est juste que li sous compte nègre là. Tout ça en pile fois qu'on fait. Ok, bon. Donc, c'est plus compliqué que ça. Et pour